L'arbre de Judée, Cercis silicastrum. L'arbre de Judée, Cercis silicastrum, ou Guenier silicastre, est une espèce d'arbre de la famille des Fabacées et du genre Cercis. Il est originaire du sud de l'Europe et de l'ouest de l'Asie. Il peut mesurer jusqu'à 10 mètres de hauteur environ, et apprécie les sols riches, calcaires et secs, ce qui en fait un arbre bien adapté au milieu urbain. Il a besoin d'un grand ensoleillement pour son développement. Le tronc est lisse et grisâtre, comme on le voit ici. L'écorce n'est pas ridée, fripée, ou crevassé. Les fleurs rose pourpre vif apparaissent en avril-mai avant les feuilles. Elles sont sessiles en faisceaux, groupées sur les rameaux et même sur le tronc. Elles poussent d'ailleurs à même le tronc. Le feuillage est caduc. Les feuilles sont rondes, cordiformes à la base, glabres et non dentées. La face supérieure est vert pâle et mat. La face inférieure glauque. La feuille a un long pétiole. Voilà les amis pour la présentation et la découverte de cet arbre de Judée. J'espère que cette découverte vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo nature, champignons ou autre, selon ce que je croiserai lors de mes promenades provençales. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.